Salut, c'est Darkside. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'épreuve chronométrée HSW, arrivée avec la version new-gen de GTA Online. Cette épreuve fonctionne comme le contre-la-montre classique ainsi que le contre-la-montre RC Bandito, à savoir un parcours chronométré avec un temps à battre pour recevoir une bonne récompense. Ces épreuves sont reset tous les mardis, ce qui te laisse la semaine pour tenter de battre le temps imposé. Le tracé change chaque semaine et la récompense ne peut s'obtenir qu'une fois. Néanmoins, si tu fais les trois épreuves, tu pourras empocher plus de 750 000 dollars en quelques minutes. Tu pourras retrouver facilement les épreuves contre la montre en ouvrant ta map et en cherchant les épreuves chronométrées. C'est des petites icônes violettes et ainsi avoir la position des trois épreuves. Quand tu lanceras la course, le GPS ne va pas s'afficher automatiquement. Du coup, petite astuce, je te conseille d'appuyer sur flèche de droite, d'ouvrir ta carte et d'aller mettre un point tout de suite sur l'arrivée, afin d'afficher ton tracé et d'appuyer sur triangle afin de reset la course, puis de relancer la course en appuyant sur flèche de droite. Allez, c'est parti, on va essayer. Je ne sais pas si on va y arriver du premier coup. On a 1 minute 21 pour relier le point. Pardon, madame. Et voilà, 251 000 dollars. Donc c'est plutôt vite gagné. Voilà pour la présentation de ces nouvelles épreuves chronométrées HSW. Je te remercie d'avoir regardé. N'oublie pas le petit pouce si le contenu t'a plu. Tu peux t'abonner, activer les notifs pour être tenu au courant du contenu qui arrive bientôt. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.